Arrête de casser ma maison ou je vais goûter ta famille. Et y'a plus les petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo pour terminer ce défi du marathon d'ici les gars. Alors je suis désolé, je l'ai fait déjà parce que j'ai eu un bug de connexion et du coup j'ai perdu une game bêtement. Voilà, je vous ai concocté un petit deck assez sympathique, du Cycle Rocket comme je sais pas si quelqu'un aime vraiment la Cycle Rocket, mais bon, bref, on va jouer du Cycle Rocket. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner, à acheter le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront et on part directement sur cette première roquette. Pour bien entamer, on va aller tornade au cas où il met un truc. Il joue pas le monsieur, très bien. Oh, du Golex, très très bien, du Golex. On aime ça, du Golex, on peut les bûches. Hein. On va se permettre de bûches. On a un MK, on a une tornade, on a tout ce qu'il faut les gars. Pour pouvoir défendre ses push. Voilà, nickel là, mais voilà, au bout d'un moment, on se met bien en fait. La science, c'est qu'on est trop bien sur les Golex, parce que les Golex, ils pourront rien faire. Ils jamais y passent. Moi, je vous le dis, les Golex, jamais ils passent. Il peut spam autant qu'il veut, jamais il passe les Golex. Voilà, non mais de toute façon là on est beaucoup trop bien. On peut remettre tout simplement un MK pour aller tanker et je pense qu'il va aller rage quit. Hein. Je pense honnêtement qu'il va rage quit. On peut aller remettre une roquette, hein. Remettre une tornade pour aller tout simplement détruire tout ça. On a 4 bourreaux les gars sur le terrain, je vois vraiment pas comment. Je vois vraiment mal comment il peut passer. La bombe de sous-scadjant qui ne fait plus rien en tous les cas, hein. Il fait plus de dégâts donc c'est pas très très grave. On peut tornade flèche, là je pense qu'il a. Il veut pas rage kit, hein. Il est déter. Il va pas rage kit, mais il va bientôt rage kit, je pense, parce que là je vois mal quand il passait. Bah, il met un autre MK, hein, mais bon. Bah, il n'a plus d'intérêt à jouer, monsieur. Vous avez perdu. Ok, il tente un brain de l'autre côté, je sais pas pourquoi, mais il tente le brain de l'autre côté. Ça ne passera pas, évidemment, les gars, on va pas le laisser passer, monsieur. On va les bûches, on va les colis. On va aller mettre une autre roquette, hein. Tiens, ça change d'habitude et on va aller prendre cette win simplement. Première win assez tranquille hein, contre Aïe. Voilà, vous voyez, je disais quoi, j'ai un niveau quoi. Ouais, ouais, je sais, j'ai un petit niveau. Voilà, première game, on récupère 4000 pièces qui me sert énormément. Hein. C'est fou, ça me sert absolument pas. Oh, les gars, allez, on invoque du fantôme. Allez, les gars, je veux tous dans les commentaires marquer oh my god, un fantôme. Ou légendaire qui va spawn. Allez, un petit fantôme, s'il te plaît. Ah non. Ouais, le DDE. C'est un fantôme, hein. Bon, bah, marqué oh my god, le fantôme ou le DDE, putain. Ou ouais, t'as raison. Vous voulez. Voilà, bon, du Cycle Rocket, les gars. Vous connaissez. Du Golex. C'est ça qu'on voulait voir, nous. C'est ça qu'on voulait voir. Du beau, du skill. De l'incroyable skill avec du Golex. Les gars, le Golex, on aime ça, nous, on aime ça, le Golex. C'est notre, le Golex, j'ai pas vomito. Voilà, quoi, on va mettre un MK, on va mettre une bûche, on va mettre un autre bourreau. On va remettre une tornade et des flèches. Et voilà, toute la game, on va faire ça, en fait, c'est tout, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. On va mettre un autre Golex, on va mettre un autre bourreau, un colis, on va tornade, on va flèche en plus, et voilà, quoi. Genre, vous voulez de quoi de plus, les gars, vous voulez quoi de plus. On se tape double Golex affilé, moi ça me va, hein. Je dis vraiment pas non. Hein. On va se faire des boules de feu tornade quoi. Voilà, au bout d'un moment, faut dire qu'il sait le patron quoi. C'est un peu facile, hein. Moi je trouve que j'ai un peu juste une artificière. Je trouve ça un peu facile, personnellement. Très bien, mais pas de soucis frérot, pas de soucis. Continue un spam, y'a pas de soucis, t'inquiète. Moi je peux franchement défendre à peu près à l'infini là, je pense. Je pense que là tu peux attendre quelques années avant de pouvoir passer. Franchement, quelques années, je pense que ça me paraît assez raisonnable. Voilà, en tous les cas, on va tout en faire la même chose. On se régule en roquette. Et il peut rien faire. C'est pas compliqué. Là, à chaque fois, on va bourreau, colis, tornade à chaque fois. Hein, et voilà, et là, vous voyez. Je trouve ça un peu simple quand même. C'est un peu chiant, je trouve ça un peu simple. Voilà. Au bout d'un moment, voilà quoi, faut dire qu'il sait pas trop sur le terrain quoi. Faut dire que c'est pas trop. Par exemple, la vidéo va durer 30 secondes 2 là, c'est plus possible. Du coup, on a un autre palier, ça c'est plutôt cool. Les paliers, on a tous les games, hein. C'est pas nombreux ça. Hein, mais... Ok, nous aurons pas de légendaire. Voilà.
alors ça c'est le seul truc que je voulais vraiment pas voir, c'est du truc qui va des deux côtés quoi. Quand, oula, ah ouais, ce frérot là il est énervé hein. Je sais pas ce que je lui ai fait, j'ai peut-être volé son goûter, mais il est pas content. Donc on va valider juste tout ça, on va. Je pense que j'ai juste roquette le D2, parce que le D2 il va être vraiment chiant par contre. Quel bouffon. Ah c'est moi le bouffon apparemment. Attendez, attendez, 2 secondes, je me concentre. Alors, laissez-moi 30 secondes, voilà, c'est bon. Il y a du monde, hein, il y a quand même beaucoup de monde. On va aller flèche boule de feu. Flèche, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je raconte, flèche boule de feu, moi? Tornade flèche. Ok, je peux aller encore mettre une tornade, hein. La tornade qui va beaucoup, qui va pas mal carry, j'avoue. On peut tout simplement remettre un méga chevalier, hein, voilà. Là on peut mettre une tornade, une roquette, je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi. Là on met que des roquettes cycle et j'ai win en fait, genre vraiment. Là, le gars a un miroir 8 quand même, hein, genre le mec genre, il me respecte pas trop quoi. Voilà, y a push, y'a plus de push quoi, genre. Petit pub c'est qu'il continue à spam, genre il voit que ça passe pas, il continue à spam, c'est ça qui me termine. Ouais bon là du coup je sais plus quoi faire parce que j'ai plus rien à cycler. Ah c'est bon. Voilà, je tornade boule de feu, enfin je pense que je fasse la tornade boule de feu de bûche et. Enfin, je pense que ça va le faire. Hein. Voilà. Je trouve ça assez simple. Hein. Franchement les gars, dites-moi s'il y en a qui veulent que je leur fasse plus de tutos sur le Kirf 7. D'ailleurs les gars, tous ceux qui restent là déjà vous le devrez pour commencer. Dites-moi si je vous fasse un espèce de tutoriel comment jouer dans chaque mode de jeu, genre. Parce que maintenant tu sais, tu peux. Avec tes amis, tu peux jouer avec n'importe quel jeu mode de jeu. Ah, mais c'est les archers magiques qui m'ont fait si. C'est les archers magiques qui m'ont fumé. Et c'est une victoire, les gars. Nickel, alors j'espère. Ouais. Ah, ouais, c'est pas ouf ça. Ouais. C'est un peu rapide, les gars, quoi. C'est un peu rapide, mais bon. Ok, on a une. Des pièces et on part directement sur cette dernière game, les gars. Dernière game de ce marathon, de ce défi marathon de l'élixir, tout simplement. Et on va commencer avec une boule de feu, une bûche, des flèches. Ma roquette, s'il vous plaît. Ah bah, j'ai pré-shot cette française. Ah bah, j'ai pré-shot son zapping maintenant. On saute sur 20, 1 million, je pense, là, mais. Ah ouais, golem zappy, genre. Le mec n'a pas le temps, excuse-moi mec. Mais je suis trop fort, j'ai fait que pré-shot, c'est ce qu'il va faire. Oula, cette game va être trop dur. D2 Zappy, oh là là. La catastrophe. En vrai, ça va. Fait, juste, tu faisais plus de sorts que d'habitude, c'est juste ça le truc, quoi. Ça me termine, je mets 20 000 sorts et le mec il peut rien faire. Genre. Très bien, hop, voilà, hop, et voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de push, ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Il n'y a plus de push. Je vais mettre un MK, et là je m'amuse un petit peu parce que vas-y. Ouais. Dans tous les games, j'ai fait en 1 minute. Ça me termine vraiment, je trouve ça vraiment trop drôle. Genre. Le mec peut rien faire. Quand il va spawn des golems au point, il y croit le monsieur là, il. Dur qu'à faire, il y croit. Ah, mais là j'ai plus rien. Il commence à tenter des roquettes de sécurité. Frérot, t'es parti un peu tard là, j'ai pas de mytho. Voilà, mais t'es parti un peu tard, genre. Ah, mais voilà, c'est. Le mec qui tente des pêches à rien de tout, il s'est dit ouais, peut-être, hein. Peut-être y a un monde où ça passe. Ah bah ouais, peut-être y avoir un monde où ça passe quoi, mais. Tu vois, j'ai boule de feu cycle parce que j'ai plus rien à foutre. Mais des grosses roquettes sans défense. Vas-y, il est pas drôle, il est trop nul. Il est trop nul. Bon, je vous fais un petit tuto, je suis sympa. Je vous fais un petit tuto d'abord, type up opening. Allez, les gars, Phantom Royale. Phantom Royale, je vous le dis, Phantom Royale, si vous m'avez tous entendu, Phantom Royale. Ah, mais voilà, non mais. C'est chiant, non mais vraiment c'est chiant d'être fort, genre, faut être intelligent, tout ça, c'est chiant. Vraiment c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, ouais non, c'est chiant, c'est chiant. Alors les gars, comment on joue? Alors, petit tuto,
Tu mets ça full map, tu mets ça au pont, tu mets ça sur la tour du roi, tu mets ça, 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 et t'as gagné. C'est bon, ça va? Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à rejoindre le serveur Discord en description les gars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était vrai cool. Ciao.